Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Science Robot. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez également la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Dans ce monde, il y a tout. Dans ce monde, il y a vraiment tout. Et l'homme peut tout faire pour avoir de l'argent, pour avoir la richesse. Hier, vous avez fait un témoignage sur la chaîne qui vous dit qu'une femme a tué qui? Sa propre mère pour de l'argent. Elle était séduite. C'est quand elle est arrivée sur le lieu qu'on lui a dit qu'elle devait tuer sa mère. Oh, mes frères et sœurs. Et par la suite, ils lui ont demandé deux choses. Ça veut dire que les pactes avec le diable ne s'arrêtent pas au premier sacrifice. Les pactes pour avoir la richesse. Quand tu arrives, on te dit, fais tel pacte, tue telle chose pour avoir la richesse. Et que tu tues la chose là, on peut te dire par exemple, tue un animal et ils vont prendre son sang pour que tu aies l'argent. Ne pense pas que ça va s'arrêter au simple niveau de tuer cet animal. Après ça, ils vont te demander d'autres choses. Il faut que quelqu'un te prévienne, te dise des choses, la vérité sur ces choses, afin que tu ne puisses pas être surpris. Quand tu signes un pacte avec le diable, il y a un premier sacrifice qui est d'abord fait. Certains d'abord ont commencé par tuer quelqu'un comme cette jeune femme. Elle a tué sa mère. Et après avoir tué sa mère, ils lui ont demandé d'autres choses qu'elle ne pouvait plus faire parce qu'elle était dépassée par ces choses. Déjà, quand vous arrivez déjà dans un tel sacrifice, on te dit, pour avoir de l'argent, tu vas tuer un animal. Sachez que cet animal que vous allez tuer là, c'est une personne. C'est une personne, un individu qu'ils ont transformé en chèvre, en mouton, en animal que vous allez tuer dans ce sacrifice. Et après cela, ils vont vous demander encore d'autres sacrifices. Ça veut dire qu'au départ, ils ne vont pas tout vous dire sur les conditions de ce sacrifice ou encore de ce pacte. Ils vont vous dire que non, c'est au premier sacrifice. Tu vas tout simplement faire tel truc, un simple sacrifice et c'est tout. C'est un truc facile. Tu fais ça une fois et c'est tout, tu es heureux. L'argent vient, ça vient, tu as la richesse, tu célèbre. Non, hein? Non, hein? Non. Et le diable n'a jamais vous dit qu'il est vilain et il est mauvais. Non. Il va toujours embellir la chose. Il va chercher à vous plaire. Il va faire en sorte que vous puissiez être séduit. C'est ça son nom, le séducteur. Et il va vous séduire. Vous présenter la richesse de bonnes choses. Vos collègues ont réussi. Les belles voitures, les belles maisons, mais ne vous dira pas qu'après ce pacte, vous irez à faire encore d'autres sacrifices. Et des sacrifices, vous allez les faire en permanence pour maintenir votre position. Ils vont vous encourager à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Vous-même qui ne vont pas vous plaire, à un moment donné, vous serez fatigué. Vous allez chercher à vouloir sortir de cela. C'est à ce moment-là qu'ils vont décider de faire quoi? Retournez tout ça vers vous. C'est-à-dire les démons qui vous soutenaient, tous ceux qui vous soutenaient de ces choses-là, ils vont vous abandonner et ils vont retourner les démons contre vous qui vont faire quoi? Vous-même vous sacrifier. C'est-à-dire qu'au final, vous-même vous serez sacrifié à votre tour. C'est-à-dire que toute personne qui signe des pactes avec le diable pour la richesse, toutes ces choses, automatiquement devient qui? Un sataniste. Ça veut dire que dès que tu es arrivé là-bas, que tu as fait ton premier sacrifice, tu as le signe 666 déjà sur toi. Automatiquement, tu appartiens à Satan et tu travailles automatiquement pour lui. Mais quelqu'un qui travaille pour Satan, chaque jour va faire des sacrifices humains. Toujours va faire des sacrifices parce que le diable a besoin de sang. Donc, pour que tu aies la richesse, le diable va te permettre d'avoir... Tu vas être obligé à faire des sacrifices, d'autres sacrifices que le premier sacrifice qui était prévu. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité sur tout ce qu'il y a comme pacte. Il y a plein de personnes qui disent qu'ils sont prêts à tout. Qu'ils sont prêts, plein de personnes qui sont prêtes à tout. Même vendre leur âme au diable. Il y a une femme qui chante. Elle dit, j'ai vendu mon âme au diable. Avec lui, tout peut s'arranger. Avec lui, tout peut s'arranger. Il ne sait pas si vous venez de cette chanson. Elle dit, j'ai vendu mon âme au diable.
Ah ben lui, tout peut s'arranger. Hein? Ah ben le diable, tout peut s'arranger. Avec un démon. Un démon qui a le mal en lui. Tu veux collaborer. Causer avec un démon, sachant que le diable, c'est celui-là même qui est descendu sur la terre, armé d'une grande colère contre vous. Mais regardez autour de vous. Qui détruit le monde aujourd'hui? Qui suscite la guerre? Et tu vas signer un pacte avec le diable sans savoir que, automatiquement que tu signes le pacte avec le diable, systématiquement tu deviens qui? Non seulement un adorateur de Satan, mais un agent en plein temps, prêt à sacrifier des âmes, tuer des gens pour Satan. Automatiquement, systématiquement, ça veut dire que toi qui es prêt à aller vendre ton âme au diable ou encore à faire des sacrifices pour Satan, sache que ce sacrifice que tu vas faire en premier lieu, là, ne pense pas que ce sera le dernier. Tu vas encore faire deux sacrifices et finalement, c'est toi-même qui seras sacrifié. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Le diable même a dit à ces satanistes, pour terminer. Il dit à tous ces satanistes, écoutez-moi bien, hein. Vous tous qui êtes les satanistes ici-là, sachez immédiatement que dès que vous êtes avec moi, vous irez à l'enfer avec moi. C'est Satan qui parle ainsi, hein, à tous les satanistes. Oh, mes frères et sœurs, levez-vous, car il y a des choses graves qui se passent dans ce monde. Il est préférable de se contenter de ce qu'on a et évoluer dans la vie. Contente-toi de ce que tu as et évolue dans ta vie. Ne cherche pas à plaire à quelqu'un, ne cherche pas à plaire à ta famille. C'est comme ça que ça se passe. Ah, j'ai vendu mon âme au diable. Avec lui, tout peut s'arranger. Avec le diable, tout peut s'arranger. Oh, mes frères et sœurs, comme des personnes sont perdues. Et des gens chantent cette chanson. Hein. Beaucoup de personnes ont chanté cette chanson sans savoir que cette personne qui était chantée, non seulement a vendu son âme au diable, et elle est sérieuse dans ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Et c'est bien vrai. C'est grave, c'est grave. C'est pour vous révéler Dieu que Jésus-Christ, le Seigneur grand Dieu, a permis que notre bonne soit créée afin que vous soyez délivrés et que votre âme soit sauvée. Préparez-vous à la prochaine vidéo ou encore à d'autres vidéos qui vont venir parce que nous avons reçu une série de vidéos que nous sommes en train d'étudier en ce moment-là afin que vous puissiez les voir et parvenir à la connaissance de tout ce qui se fait dans le monde éternel. Que vous ne savez pas, assurément, ça va sauver des vies. Abonne-toi à cette vidéo si tu n'as pas encore fait. Attire la cloche à côté pour ne pas manquer de la prochaine vidéo, tout simplement. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. À bientôt.